l'entrée sur la pelouse des 22 acteurs concarnois et sedanais qui foulent la pelouse du stade Guy Piriou ici donc à Concarneau pour cette deuxième journée de National. Ce soir, ils fêtent la découverte du National. Le club d'Ille-et-Vilaine. Attention Guillaume Jégou, ça ne passera pas jusqu'à Dutournier. Si la frappe de Dutournier, ce sera la première de cette partie. William Céa sur le côté droit, Céa qui va tenter sa chance. Oh, la barre transversale pour William Céa. Et bien là, déjà la première alerte, la première grosse alerte. À droite, finalement, il va revenir derrière sur Massamba Sambou. Attention, oh, il est passé là du tournier, la grosse faute de Massamba Sambou. Oh là 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 là, ça va être le rouge ça, ouais. Et le carton rouge direct pour Massamba Sambou. Le capitaine sedanais qui est expulsé dès la 12e minute de jeu. Alors là, c'est un coup de tonnerre. Guillaume Jégous maintenant. Jégous, long ballon vers Damessi qui va pouvoir s'emparer du ballon. La frappe de Damessi, la superbe claquette de Willy Mayems. Mais également Pierre Lavenant. Attention, la frappe cette fois. Avec Dutournier sur Saline, Toupin qui est servi à nouveau, Toupin le centre, pas de pénalty à tête. C'est Maxime Toupin avec Damessi, il y a Jégous dans la profondeur, il va peut-être être trouvé finalement, non. C'est Saline qui va arrêter du ballon côté gauche, le centre devant le but, c'est repoussé, c'est pas terminé, il s'en mêle les passes, Damessi, contré encore. Ah là là, contré par Konongo, récupération une nouvelle fois Damessi, oh, il y a une faute cette fois d'Yvan Neyou. Et carton jaune à l'encontre du Sedanais, Yvan Neyou devant le but. Allez, Jégous, c'est parti. C'est repoussé et capté en deux temps par Willy Mayens. Le capitaine sedanais à la 12e. Cabon vers Damessi dans les airs. La tête de Konongo, la tête cette fois de Wachter. Chadili, finalement Jégous qui va trouver Saline. Saline qui va empêcher le ballon de sortir en touche. Saline face à Wachter. Elle va se mettre sur son pied droit. Le centre, la tête. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score de l'US Concarneau, signé Charlie Dutournier à la 37e minute. Et bien cette fois, c'est au fond, on le sentait venir depuis le début de la partie. Les occasions se multiplièrent. Ça fait 1-0 en faveur de l'US Concarneau. Destination de Kalen Damessi, le bon contrôle de Damessi qui va pouvoir centrer une nouvelle fois. Ça va fuir à Saline au deuxième poteau. Parce que là, il va falloir s'appliquer un petit peu plus. Attention tout de même au réveil sedanais. On les sent plus habiles devant. Et Benoît Leroy, et la bonne sortie encore de Ivan Seznek. Allez, attention, Saïd Idaza. Il est fraîchement entré en jeu. Il a du jus. Idaza, la frappe d'Idaza. C'est détourné par Willy Mayens. Et ouais, faut pas le laisser tout seul, Idaza. Les minutes passent. Et les occasions se font toujours aussi rares. Attention Damessi, il y a Saline sur sa droite. Damessi qui va frapper, le poteau but. Deuxième but concarnois. Et c'est Kalen Damessi qui vient offrir le but du break. Koulibaly, oh là là, attention Herman Coré, ça le face au but, qui va trouver Idaza dans la surface de réparation, peut-être un centre à venir d'Idaza, le centre qui est fait. Troisième but. Troisième but concarnois, c'est Christophe Gourvelon qui vient, eh bien, sceller définitivement la victoire de l'US Concarneau, 3 buts à 0. C'est terminé la victoire de l'US Concarneau, 3 buts à 0 face à Sedan, une victoire nette, totale de la part des Concarnois.